La santé n'a pas de coût, a-t-on l'habitude de dire. C'est ce qu'ont compris Marc Lachat et Alain de l'organisation Sénégal et qui ont fait un périple de 5 500 km partant de la France, passant par l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et puis le Sénégal, bravant ainsi toutes les difficultés pour venir en aide aux populations de la commune de Joël Fayout, particulièrement celle de Fayout. En ce 26 novembre 2022, les populations de Fayout ont bénéficié d'une ambulance médicalisée par le canal de la Fraternité de Fayout, une association qui aspire au développement de sa localité. À leur arrivée à l'île aux coquillages, voici l'accueil réservé aux bienfaiteurs Marc Lachat et Alain de l'ONG Sénégal. Cet accueil chaleureux, le professeur Soubazin Diouf de la fraternité de Fadiout, qui est à l'origine de ce don, nous le trace l'historique de cette ambulance. Et sans hésiter, je lui ai dit, mais écoutez, la destination première, c'est chez moi, la Mouline. Alors j'ai dit, les arguments, vous les connaissez vous-même, parce que par Pondiougadien, je peux dire qu'il est citoyen de Fadiout. Parce qu'on a fait les études de médecine ensemble, mais il m'accompagnait ici, à chaque fois qu'on venait faire des conférences à Fali, il m'accompagnait pour qu'on fasse des conférences de conscientisation à la population. Donc il connaît très bien ce village, il connaît très bien l'île, et donc il connaît les particularités de l'île et les difficultés que nous avons à évacuer nos malades, à faire sortir nos malades. Et donc, il m'a dit, mais écoutez, il n'y a pas de problème, je vais en parler au président. Et je pense que c'est dans la même journée, Marc Lachat, qui est le président de cette ONG, a donné son accord favorable pour acheminer cette ambulance ici à l'île de Fayout. À partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné très rapidement. Je les ai mis en rapport avec le président de Fraternité Fayout, que je salue ici et que je remercie vivement, Désiré Sarr. Parce que c'est eux qui ont piloté le dossier jusqu'à ce que ça arrive ici. Parce qu'il y avait des procédures administratives, aussi bien en France, aussi bien au Sénégal, pour que ce véhicule puisse arriver ici.
Ça n'a pas été facile du côté de Marc là-bas, à certains moments, mais également du côté de Désiré ici. Mais l'essentiel, c'est que cette ambulance est arrivée ici. Elle est arrivée par un long chemin, certes sur le plan administratif, mais par un long chemin, parce que l'ambulance est arrivée par le désert, par la France, par le Maroc, par la Mauritanie, et entrer au Sénégal jusqu'à arriver à Paris. Donc, ça fait au moins une dizaine de jours, une douzaine de jours, dans des conditions assez difficiles pour nous amener cette ambulance-là. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été fait avec cœur. Et Marc me disait tout à l'heure que ce qui est formidable dans les deux associations, dans les deux fraternités et l'ONG Sénégal, c'est qu'ils ont les mêmes devises. Donc la solidarité, ce qui est en train d'être matérialisé ici aujourd'hui. Le professeur est revenu sur le rôle que peut jouer l'ambulance, mais a rappelé aux populations que la destination de ce véhicule est bien Fayoud, qui est une entité du district sanitaire de Joal Fayoud, et qui dit district dit commune. C'est pas le district de Joal, c'est le district de Joal Fayoud. Et donc cette ambulance appartient au district. Même si la dénomination a été dite au centre de santé de Fayoud, elle appartient bien au district et le district aura à l'utiliser également en cas de besoin, ça ce n'est pas de choses pour nous. Donc, si on dit district, on dit commune, donc l'ambulance appartient à la commune, parce que le district est dans la commune. Donc, c'est tout ce que nous faisons ici, c'est pour essayer chacun de son côté à amener sa pierre dans la construction de cette commune-là. Donc cette ambulance vient ici, pas exclusivement à Fayoud, ça vient dans la commune de Joal Fayoud. Marc Lachat a mis l'accent sur la formation des gens qui seront affectés à cette ambulance et rappelé le rôle que doivent jouer le district sanitaire et la mairie pour l'entretien de ce joyau. Sanitaire, je dis simplement que cette ambulance doit être entretenue le plus possible, qu'elle dure le plus longtemps possible. Hein, si, elle a 100 000 km, elle est pratiquement neuve. Elle a servi en France, mais elle est fonctionnelle en totalité. On n'a pas dépensé une goutte d'huile pour venir pour faire les 5500 km. Elle roule parfaitement. Qu'elle soit bien entretenue par des gens qui peut-être auront une formation, que ce soit en qualité de chauffeur, mécanicien ou en qualité d'infirmier et de médecin, et qu'elle dure le plus longtemps possible. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure lors de mon discours. Moins elle servira, moins il y aura d'accidents, moins il y aura de besoin de s'en servir, et plus ce sera meilleur. Parce que sa mission, c'est durer longtemps, mais d'être toujours performante, quoi qu'il arrive. Et ce qui lui permettra d'être de plus en plus performante, c'est son entretien, bien sûr, mais qu'elle soit le moins sollicitée possible. Regardez les routes avec les trous, avec les bosses, avec les... Un véhicule sanitaire, ça a besoin d'urgence. Il faut que ça aille vite à l'hôpital, dans les cliniques. Il faut que ça aille vite. Mais la route ne permet pas d'aller trop vite, sinon on casse tout. Donc il faut arriver aussi à ce que les pouvoirs publics, les communes, les départements, etc., fassent le nécessaire pour les routes, hein, pour que ça puisse aider et les voitures et les véhicules de tout le monde, mais surtout les véhicules sanitaires qui ont de l'urgence à accomplir. Et ils ne peuvent pas forcément le faire à cause des trous et à cause des bosses. Donc il faut aussi que les collectivités territoriales s'attache à l'entretien des routes. Après la signature de documents affectant définitivement le véhicule à la population de Fayoud, ils ont été faits donc fayoutiens par ce geste symbolique et membres d'honneur de la fraternité de Fayoud.